des Martins, 1 et 2, 3. Pas du son. Non, c'est l'envers. Non. Ta-da-tan-tan. C'est noir, noir, noir. C'est l'envers. Noir, noir. Voilà, tu vois. Tan, 1 et 2, 3. Ok. Après, quand tu... après, t'as le petit rythme là sur. Après, là, t'as triolé. Ta-da-da. Alors là, ça se fait. Non, t'es à l'envers. Voilà. Ouais. La grille d'accord du morceau, c'est mi-septième, ouais. La septième, après septième, sol. D'accord, c'est, en fait, c'est en cycle de quatre. Mi, fa, sol, la. La, si, do, ré, ré, mi, fa, sol. Et donc, en fait, sur ces accords, en, sur le mi, je peux faire donc mi. Après, bah, je le fais sur le la. Sur le ré. En fait, c'est le morceau, une fois que tu l'as joué, il dure 20 secondes. Après, il faut trouver des rangs. Par exemple, voilà. Et, au lieu de jouer mi, au lieu de faire ça, je vais jouer les mêmes accords ailleurs. Ou encore. D'accord, je veux dire, ça permet de faire des variations. Après, je peux faire ce qu'on a vu. Deuxième partie, ré, sol, ré, sol, et le temps de rentrer. Un système qui est très visuel. Ce système, c'est ça, ce qu'on appelle caged. Ici, par exemple, on va avoir un accord de Do, mais sur 5 positions. Donc, c'est-à-dire que là, on va avoir l'accord de Do en position physique de Do. Ensuite, ici, c'est un accord de Do, troisième case en barré, mais en position physique de La. Quand je dis position physique, c'est, en fait, c'est une position de La qu'on a déplacée. Ensuite, ici, c'est une position de Sol qu'on a déplacée ici. Huitième case pour avoir un Do. Ensuite, c'est une position de Mi qu'on a déplacé huitième case pour avoir toujours un Do. Et ensuite, ça, c'est une position de Ré. Alors, d'où vient cette position de Ré, en fait? C'est un accord de Ré normal. Mais au lieu de mettre cette note-là ici, j'avais pas fait la partition aussi. Ouais, c'est, oui, c'est peut-être pour ça.